est de situer les responsabilités de diverses personnes, soit en tant que commanditaire, soit en tant qu'auteur matériel des faits. Des magistrats instructeurs ont été également saisis. Les actes de violence ont été commis particulièrement dans le district autonome d'Abidjan et dans les 8 régions suivantes. La région du Soukoumoué, Bounoua, la région des Grands Ponts d'Abou, la région de l'Odiboua, d'Ivo, la région de Lifou, d'Aoukro, la région du Morono, Bongwano, Mbato, la région du Bélier, Toumodi, la région des Lacs, Yamsoukro, et la région de l'Indéné, Duablin, à travers les villes d'Abengo et de Niamey. Ainsi, à Daoukro, suite au mot d'ordre de désobéissance civile, les jeunes de l'opposition ont organisé une marche dite contre le troisième mandat le 9 novembre 2020. La situation a dégénéré en conflit intercommunautaire Malinké Kondjula au cours de la période du 9 au 12 novembre 2020 avec des affrontements mortels à l'arme du type Kali Dou et à la machette au quartier Sorossi Bougou. 7 personnes ont été interpellées suite à ce conflit intercommunautaire ayant occasionné la décapitation de l'infortuné Nguissan Kofi Toussaint ainsi que plusieurs blessés par arme à feu et par arme blanche. Il convient de préciser que l'auteur de la décapitation du sieur Kofi Toussaint se trouve parmi les personnes interpellées à Daoukro et qui gardent prison jusqu'à aujourd'hui. À Mbato, dans cette ville, il a été donné de constater qu'une marche de protestation organisée par les jeunes de la plateforme des partis de l'opposition le lundi 9 novembre 2020 a débouché sur des affrontements entre les communautés Malinké et Agni, occasionnant des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Bien avant, le samedi 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle, un groupe de jeunes s'est introduit au sein de la brigade de gendarmerie nationale pour y dérober le matériel électoral qu'ils ont par la suite détruit. À Bongwano, dans cette ville, les affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu les vendredis 16 et samedi 17 octobre 2020 ont occasionné 6 morts, 33 blessés et de nombreux dégâts matériels. À Yamsoukro, les partisans de différents partis politiques se sont affrontés et par la suite, le conflit a viré au conflit intercommunautaire. Dans cette atmosphère, 2 jeunes ont été tués dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 au quartier d'Oulabougou et le cortège de 7 véhicules de M. Ousmane Bamba a été incendié. Lui et sa sécurité ont été pris à partie car soupçonnés de transporter des urnes. Par ailleurs, le samedi 31 octobre 2020, un convoi de 3 véhicules transportant, comportant 3 chauffeurs et 3 personnels de sécurité affectés à la sécurité du ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Sanogo Moussa, avait été pris à partie dans le village de Sata sur l'axe Bois-Feuillant-Soukou aux alentours de 16 heures. Au triste bilan de cette attaque armée,
Les trois véhicules avaient été incendiés. Un agent était grièvement blessé et l'adjudant Salongo Seydou, atteint par balle à la tête, était porté disparu. L'audition de ces personnes et les informations recueillies de diverses sources ont permis de découvrir, sur indication des personnes interpellées le vendredi 20 novembre 2020, un corps calciné, sommairement inhumé à 15 mètres de la route principale entre les villages d'Aboua-Kouassikro et de Gonzi, à quelques encablures du lieu de l'attaque. Le dit corps exhumé était dirigé vers les services de l'Institut de médecine légale d'Abidjan en vue d'une autopsie médico-légale destinée à identifier formellement le cadavre et à déterminer les circonstances et les causes du génétique ADN réalisé, confirmait ultérieurement qu'il s'agissait effectivement du corps de l'adjudant Salongo Seydou. À Thiébissou, au cours des marches de protestation organisées à compter du 31 octobre 2020, les affrontements entre plusieurs jeunes personnes de cette ville ont occasionné deux morts, plusieurs blessés, des incendies de domicile et des destructions de biens. À Toumaudi, des jeunes de certaines formations politiques sont organisés pour empêcher le déroulement du vote. Face à cette situation, d'autres jeunes s'en sont pris aux manifestants qui tentaient de les empêcher de voter. Cette situation a abouti à un affrontement intercommunautaire qui a engendré des morts, des blessés et des dégâts matériels. À cela, il convient d'ajouter qu'à Abliboniko, un affrontement a éclaté entre les membres civils de la sécurité du ministre Amédée Kouakou et des villageois, occasionnant le décès d'une personne. À Dabou, une marche de protestation de l'opposition du lundi 19 octobre 2020 a été empêchée par des individus se disant transporteurs localisés à la gare de Bouaké, située en plein centre-ville. Par la suite, une série d'affrontements s'ensuivait jusqu'à la date du 21 octobre 2020 où 19 personnes, dont deux non encore identifiés, étaient tués dans les quartiers de Mongorotou, Niakani et Ward Extension. À Gomo, dans cette localité située à Sikensi, des personnes ont tenté de prendre à partie des individus rassemblés au domicile du représentant du RHDP local à Gomo. Ce dernier étant suspecté d'entretenir un bureau de vote dans ce domicile. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Ces violences ont occasionné trois morts, plusieurs blessés et d'importantes destructions de biens. À Divo, des femmes de l'opposition politique, dans le cadre de la désobéissance dite civile, ont organisé une marche de protestation le vendredi 21 octobre 2020. Ces dernières ont été prises à partie à hauteur de la gare routière de Guiré par des personnes exerçant dans le transport. Il y a eu affrontement entre des jeunes issus du RHDP et ceux de l'opposition. Cette situation a perduré jusqu'au samedi 22 octobre 2020 et a provoqué également des morts, des blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. À Gagnoua, la journée électorale du 31 octobre 2020 a été émaillée d'incidents consécutifs à la volonté des jeunes de l'opposition de cette localité de perturber le vote dans cette commune. Ces événements ont entraîné
la destruction du matériel électoral et conduit à des affrontements intercommunautaires ayant entraîné 5 morts, 2 disparus et d'importants dégâts matériels, notamment à Théry. À Oumé, il y a eu des actes de violence le 31 octobre 2020 entre des personnes désirant exercer leur droit de vote et des jeunes de l'opposition qui voulaient empêcher la tenue du scrutin. Cette situation de tension a entraîné le décès d'un individu, des blessés par arme blanche ainsi que par arme à feu, en plus d'importants dégâts matériels. À Bonnois, dans cette ville, il y a eu 3 grandes marches de protestation les 7, 16 et 17 août 2020 pour répondre au mot d'ordre de désobéissance civile dont les 2 dernières sont transformées en affrontement intercommunautaire marqué par 3 morts, des blessés, la destruction du commissariat de police, la tentative d'assassinat du commissaire de police, le pillage et l'incendie de biens. À Abengourou, à Sankadiopo, des individus non identifiés, armés de fusils de type calibre 12, se sont introduits le vendredi 30 octobre 2020 aux environs de 20h dans le domicile du chef de village et ont emporté les différentes urnes. Par ailleurs, les autochtones haïtiens ont subi plusieurs attaques le samedi 31 octobre 2020. Au cours de ces agressions, le nommé Kouadio Adjan a reçu la chevrotine d'un fusil calibre 12 et a succombé à ses blessures au centre hospitalier régional CHR d'Abengou. Toujours en lien avec ces événements, un corps sans vie, formellement identifié comme étant celui du nommé Conin Foussou, a été retrouvé dans la ville de Niamey. Il convient d'indiquer que plusieurs biens matériels ont également été saccagés ou brûlés dans ces localités. À Yopougon, les investigations ont permis de recueillir des informations sur les occupants du Baka Vert impliqués dans les affrontements dans cette commune. Ainsi, le chef opérationnel des individus à bord de ce véhicule d'ordre de gestion financière serait le gérant d'un fumoir à Yopougon-Ouassakara, actuellement en fuite. Les investigations de l'unité spéciale d'enquête ont mis en évidence que la manipulation des sentiments d'appartenance ethnique, politique et religieuse, ainsi que l'impunité, demeure un ressort important de l'escalade de la violence, y compris politique. L'unité spéciale d'enquête a par ailleurs constaté que la jeunesse, pendant la période électorale, a été instrumentalisé comme bras exécuteur de la violence politique par les leaders politiques. Cette jeunesse, galvanisée par les discours d'appel à la haine, a été armée et financée pour faire échec à la tenue de l'élection présidentielle et surtout accentuer le climat de terreur. Cela s'est traduit par l'érection de barrages, la destruction du matériel électoral, l'attaque de véhicules de transport public des personnes, des véhicules administratifs et également des véhicules particuliers, et la commission parfois de meurtre d'une extrême violence comme à Daouko, à Daou et à Abli. Les 3 juges d'instruction en charge de toutes ces procédures courantes à la suite de l'information judiciaire, situer le degré de responsabilité des différentes personnes interpellées, y compris les financiers de ces actes de violence.
Ainsi, à ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint Adahoukro, le maître de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Il convient enfin de dire que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale, l'objectif ici étant de lutter contre l'impunité des auteurs de l'infraction grave commise surtout à chaque période électorale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur. Nous allons débuter la série de questions-réponses. Donc, messieurs et mesdames les journalistes, vous levez, vous posez votre question, vous vous présentez et vous posez votre question. Nous allons commencer par la cette première question. Monsieur le procureur, comment vous souhaitez fonctionner? Vous voulez prendre les cinq premières, vous répondez et après on prend cinq autres questions. Absolument. Voilà, nous allons fonctionner comme ça. Je suis Yabi Koulibaly pour le quotidien Le Jour Plus. Monsieur le procureur, dans le cas des procédures judiciaires engagées contre les animateurs et les instigateurs de la désobéissance civile et du boycott actif couronné par la création du CNT, on vous a vu poursuivre Monsieur Maurice Kabou-Kikabwe, ancien ministre, membre du CNT, Pascal Affi-Guessant, ancien premier ministre, porte-parole du CNT, et nombreux d'autres membres passifs ou actifs du Conseil national des transitions. Mais on ne vous a pas vu poursuivre M. Henri Conan Bétier, qui était à la tête du mouvement insurrectionnel, qui en était le président, et vous avez dit, après ces appels incessants, il y a eu des actes répressifs. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi? Est-ce qu'il y a une explication juridique? Merci, M. le procureur. Bonsoir, Monsieur le procureur. Je me nomme Fubert Yao. Dans votre propos liminaire, vous avez dit qu'il y a à ce jour seules 11 personnes qui sont tenues de détenues préventivement. À quand leur procès? À quand l'ouverture de leur procès? Merci. Merci de préciser l'organe de presse. L'intervenant président n'a pas précisé l'organe de presse. L'expression. Monsieur le procureur, bonsoir. Ici, merci de l'intérêt des journaux patriotes. Dans vos propos de l'univers, monsieur le procureur, vous avez dit lors de l'élection présidentielle de 2020, la jeunesse a été instrumentalisée et armée. Vous n'avez pas dit par qui. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ceux qui ont armé et instrumentalisé la jeunesse? Merci. Bonjour, vous êtes intervenu. Moi, je voulais savoir, c'est un peu en complément de la question de mon collègue, qui dans les 240 personnes, est-ce que par exemple les M. Kikawe, Fingesson, Narcisse Brie, etc., enfin on va pas tous les citer, mais est-ce qu'ils figurent dans les 240 personnes poursuivies?
Par ailleurs, je citais Thibault, je crois, des événements qui se sont déroulés en août, que vous attribuez à la désobéissance civile qui a été lancée en septembre. Ce n'est pas un petit problème chronique. Merci madame. Je voudrais remercier tous ceux qui ont voulu poser des questions. Monsieur Yapi Koulibaly du journal Le Jour Plus. Vous avez indiqué qu'il y avait des poursuites engagées contre monsieur Kapoulou Gawé parce qu'il a pris des 100 membres du CNT. Qu'en est-il des poursuites contre l'ancien président Rigona Médier, pourquoi est-ce qu'il y a une explication juridique? J'ai indiqué dans le propos liminaire que tous ceux qui ont commandité, qui ont incité, qui ont financé cette désobéissance civile qui a entraîné des drames que nous sommes tous en train de déplorer, il y a des familles qui sont meurtries à jamais. Toutes ces personnes-là ne sont pas exemptes de poursuites. C'est vrai qu'il existe une loi, celle de 2005, sur les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions, les anciens ministres. Mais l'article 54 de cette loi dit bien que toutes les infractions commises par cette personnalité en période électorale échappent à la procédure spéciale. Ça veut dire quoi? Que toutes les infractions qui sont commises en période électorale, il n'y a pas de procédure particulière. Et ces personnes-là sont justiciables comme tout individu, selon le code électoral, selon le code pénal, selon le code de procédure pénale. C'est ce que dit l'article 54 de la loi sur les anciens présidents d'institutions et les anciens présidents de la République. Donc, rien n'exclut que tous ceux qui seront reconnus comme ayant participé. Je vous ai indiqué que, après le travail qui a été fait par les enquêteurs de la police et de la gendarmerie, sous la supervision de la direction du procureur de la République, les juges d'instruction, trois juges d'instruction, ont été saisis. Les juges d'instruction poursuivent leur information judiciaire. C'est à la fin seulement de leur information judiciaire qu'on sera. Quelles sont les personnes qui ont été retenues comme devant comparaître à l'audience pour répondre des faits? Et comme je le dis, la loi est claire, l'article 54 de la loi de 2005 dit que, en période électorale, tous ceux qui ont commis des infractions échappent à la procédure spéciale prévue par la loi de 2005. Donc c'est clair. Monsieur Gilbert Yao de l'Expression. Il a parlé de 11 personnes actuellement encore détenues, comme je l'ai indiqué. Il y a 233 personnes au total qui ont été inculpées, qui avaient été détenues pour certains, d'autres placées sous contrôle judiciaire. Il reste encore 11 personnes détenues. À quand donc les procès? Au risque de me répéter, vous savez qu'il y a trois étapes importantes. Il y a la phase de l'enquête. Ça a été le rôle de l'unité spéciale d'enquête qui a été mise en place par le décret de Monsieur le Président de la République. Par la suite, à la fin de l'enquête, les magistrats instructeurs ont été donc saisis à travers ce qu'on appelle l'ouverture de l'information judiciaire. À l'issue donc de leur information judiciaire qui n'est pas encore achevée, on saura quelle sera la date. Mais il faut indiquer que, et comme nous avons déploré tout à l'heure à travers le devoir de mémoire, ce sont les faits les plus graves, donc les faits de nature criminelle. En pareille occurrence, après le premier travail fait par le juge d'instruction au premier niveau, il y a la chambre d'instruction de la cour d'appel qui doit également poursuivre les investigations. Et c'est lorsque elle a fini qu'elle rend ce qu'on appelle l'arrêt de mise en accusation qui permet de saisir le tribunal criminel. Donc tout ça vient chaque étape en son temps. Donc c'est ce que nous attendons. Mais pour le moment, les juges sont à pied d'eux. Ils se sont même transportés pour certains sur les lieux des faits. Et je pense que
très rapidement, ils vont achever leur formation judiciaire et à l'issue, on saura donc quelle est la date du procès. Monsieur Lassina Ouattara du Patriote, il a indiqué que j'ai dit que la jeunesse avait été instrumentalisée par qui ? Instrumentalisée et armée par qui ? Mais c'est justement l'objet des informations judiciaires qui ont été ouvertes. Déjà, plusieurs personnes ont été interpellées. Et les enquêtes qui ont été déjà menées, parce que l'unité spéciale d'enquête que j'ai dirigée avait 6 mois, de janvier à juin 2021. Nous avons parcouru l'ensemble des localités, comme je vous ai décrit dans le propos liminaire. Beaucoup d'informations ont été collectées. La procédure pénale demande que le juge d'instruction puisse approfondir. Et si à la fin, il y a des charges, parce qu'au départ, ce sont les indices au lieu de l'enquête, quand on arrive au stade du juge d'instruction, ce sont des charges. Et quand on va à l'audience, ce sont des preuves de culpabilité. Donc pour le moment, nous sommes à la recherche du juge d'instruction, à la recherche des charges qui permettent d'imputer les faits aux uns et aux autres. Le juge d'instruction, quand il est saisi, on dit qu'il est saisi, il rêve. Il est saisi donc du dossier. Il lui appartient d'inculper tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé, ont financé, ont armé. Et donc, c'est ce travail qui est en train de se faire. Donc, je ne voudrais pas me prononcer trop tôt, de peur de ne pas être conforme à ce que le juge est en train de faire comme travail. Vous savez que le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Et l'information judiciaire est secrète. C'est pour cela que le procureur est appelé à communiquer, mais sans donner tous les détails du dossier d'instruction. Mais comme le sujet est d'importance, il était important que je puisse en dire un peu plus. Monsieur le RFI dit que j'ai parlé de près de 240 personnes inculpées, puis de M. Dikawe et autres. Il a également dit, est-ce que la domiciliation civile a été déclarée en novembre? En septembre, est-ce qu'on doit prendre en compte les faits doutes? Relativement aux personnes déjà inculpées, je l'ai dit, il y a 233 personnes qui ont été épinglées par l'unité spéciale d'enquête. Plusieurs d'entre elles ont même gardé prison. Monsieur Dukawe, dont vous parlez, monsieur Afrikissan, dont vous avez également parlé, ont gardé prison pendant un moment. Le juge d'instruction a estimé que ces personnes-là pouvaient bénéficier d'un contrôle judiciaire. C'est pour cela qu'il les a remis en liberté avec un contrôle judiciaire qui les astreint à des obligations précises. Donc ces personnes-là sont toujours poursuivies. Si à la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction estime que ces personnes ne sont pas impliquées, il avisera. Mais pour le moment, ces personnes-là et toutes celles qui, de près ou de loin, ont participé à ce fait, demeurent poursuivies, même en liberté. Même en liberté, toutes ces personnes qui de près ou de loin ont participé à ces faits, demain vous suivez. Appréhendez en août. Mais évidemment, c'est dans la droite ligne de ce qui se passe. J'ai remarqué avec les investigations que plusieurs faits n'étaient pas anodins, puisque c'est tout un processus. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui, avant le mot d'ordre de l'obéissance civile, ont posé des actes contraires à la loi. Ces personnes-là, effectivement, ont été appelées à répondre de leurs actes. Et ces personnes, si les juges d'instruction saisis estiment qu'il y a charge suffisante, ces personnes-là vont être présentées devant une juridiction de jugement pour justement répondre de leurs actes. Voilà ce que je tiens à dire. Mesdames et messieurs, vous avez d'autres questions? On va prendre une deuxième série de 5 questions. Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le procureur, vous dites que
C'est ça, depuis à côté de janvier à juin 2021. Et c'est maintenant que vous donnez les résultats. Alors que sous maintenant, monsieur le procureur, le dialogue politique, est-ce que votre sortie n'est pas un sabotage, ce dialogue-là? Ou est-ce que c'est un moyen de pression que vous avez au pouvoir pour faire, pour amener l'opposition à fléchir chez nous? Donc, monsieur le procureur, est-ce que votre sortie-là est à propos? Là où on prend le dialogue politique? De constatation. Vous venez maintenant des enquêtes, des retours d'enquête. Est-ce que vous ne savez pas que ce là? Merci. Bonjour Monsieur le procureur, Pierre Donadieu de l'AFP. Juste pour que ça soit bien clair pour tout le monde à propos d'Henri Colombédier, vous n'excluez pas qu'il soit poursuivi comme n'importe quel justiciable pour les actes qui sont passés pendant la campagne électorale. Bonjour Monsieur le Procureur, je suis Stéphane Betty de l'agence de presse panafricaine. Tout à l'heure, j'ai regardé le film Le Voix des Mémoires et j'ai fait un constat que les témoins ou les victimes, vous n'avez pas pris la peine de flûter leur image, voilà, pendant que vous êtes encore en pleine enquête. Est-ce que vous ne les livrez pas entre les mains de leur bourreau? Merci. Je vous remercie pour les excellentes questions. Je n'ai pas vu qu'était du temps. Pourquoi est-ce maintenant, au moment où s'ouvre, où se poursuit le dialogue politique, est-ce que le fait de livrer maintenant les résultats des investigations ne peut pas être pris comme un sabotage ou comme une pression sur les acteurs? Non. L'unité spéciale d'enquête a été mise en place par décret du président de la République. Lorsque nous avons fini notre enquête, nous avons donc rédigé notre rapport d'activité qui sera mis à votre disposition à la fin de cette conférence. Évidemment, vous savez bien que le procureur de la République travaille sous ordre du procureur général qui lui-même relève du ministre de la Justice. Donc il fallait donc permettre à nos mandants de pouvoir prendre connaissance du rapport. Mais l'agenda du procureur n'a pas d'effet sur l'agenda politique. Le procureur n'est pas un acteur politique. Il s'est passé des faits très graves. Une unité spéciale a été mise en place. Et il fallait que, avant la fin de l'année 2021, que le rapport soit délivré. C'est une coïncidence que cela intervienne en ce moment. Le procureur, vous le savez, n'est pas un acteur politique. Il n'intervient que lorsque la loi pénale a été flouée, lorsque des personnes commettent des infractions. À partir de ce moment, lui, il fait ses enquêtes et, en temps opportun, il livre ses résultats de l'enquête. Et c'est ce qui est fait actuellement. Mais ça n'a aucune conséquence sur le dialogue politique. Donc, il est important de le savoir. Le procureur n'est pas un acteur politique. Il pose des actes conformément à la loi qui n'ont aucune conséquence sur l'activité des hommes politiques. Monsieur de l'AFP a encore précisé, est-ce que Monsieur Henri Conan Bédié, l'ancien président, sera poursuivi ou est-ce qu'il sera exclu de tout? Au risque de me répéter, la loi de 2005 qui instaure une procédure particulière relativement aux poursuites engagées contre les anciens présidents de la République, les anciens chefs de gouvernement, les anciens ministres. Cette loi, en son article 54,
dit exactement que lorsque les faits reprochés à cette personnalité ont été commis à l'occasion ou pendant les élections, il n'y a plus de procédure spéciale. Les tests qui s'appliquent sont le code électoral, le code pénal et le code de procédure pénale. À partir de ce moment, les juges d'instruction sont saisis et nous attendons tous qu'ils finissent leur information judiciaire pour savoir quelles sont les personnes contre qui ils auront retenu des charges. Et en ce moment-là, toutes ces personnes sans exclusive vont être présentées à l'audience du tribunal. Et c'est le tribunal qui, s'il y a des preuves de culpabilité, va rentrer en voie de condamnation. Monsieur Stéphane Bertier, de l'agence de presse africaine. Dans le devoir de mémoire, nous avons montré des visages des victimes sans les fouetter. Est-ce qu'on ne craint pas de représailles? Vous savez, il s'est passé des faits atroces. Des faits atroces. Il était important de marquer aussi la mémoire, parce que nous avons tous été contemporains des faits qui sont déroulés sous nos yeux. Ceux qui ont posé des actes étaient des jeunes gens et parfois des adultes qui, en plein jour, ont coupé des troncs d'arbres, qui sont abattus sur des véhicules de transport, qui ont calciné des personnes humaines, nos semblables, leurs semblables, dans les habitations, qui ont décapité un jeune homme, qui ont logé une balle dans la tête d'un officier de gendarmerie. C'est trop grave. C'est tellement triste qu'il faut qu'on puisse choquer les uns les autres pour que plus jamais, on ait cela. Et le message à travers cela, c'est pour dire que tous ceux qui de près ou de loin auront permis, auront incité les jeunes, auront instrumentalisé, auront armé, financé, vont répondre de leurs actes. Et c'est ça, ce message-là que je voudrais qu'il soit retenu. Pour éventuellement les témoins qui ont besoin de protection, nous avons un service qui permet de les protéger. Mais il était bon aussi pour la mémoire collective, pour ne pas qu'on dise, monsieur le procureur, vous avez présenté des victimes qui n'existent pas, il était important qu'on puisse reconnaître certaines personnes. Mais il y a des personnes qui ne reviendront jamais auprès de leur famille. Il y a même une enfant de 3 ans qui a été tuée lorsque des personnes ont scié à moitié des troncs d'arbres sur l'autoroute et qui a écrasé au passage d'un minicar 7 personnes, dont un enfant de 3 ans. C'est atroce, c'est horrible. Et je crois que c'est ça qui mérite d'être su. Et c'est pour ça que, pour une fois, il était important qu'on parle de ce devoir de mémoire. Je voudrais vous remercier. D'autres questions? Sinon, nous allons clore cette conférence de presse. Toute dernière question. Bonjour, monsieur le procureur. Méliane Cuny, blogueuse et je suis aussi journaliste sur Radio Tréjuis. J'aimerais savoir, est-ce que le rapport de l'unité d'enquête est disponible et est-ce qu'on peut avoir accès à ces documents-là? Merci, madame. Radio Tréchville. Effectivement, le rapport est disponible et vous sera remis, en tout cas, plusieurs exemplaires vous seront remis à la fin de cette conférence de presse, de façon à ce que vous voyez un peu le travail qui a été abattu par les éléments qui ont été décidés. Il sera effectivement disponible. Monsieur le procureur, je pense qu'il n'y a plus de questions. Votre mot de fin? Merci, madame. Mon mot de fin, c'est vraiment pour remercier et féliciter les éléments qui
ont participé à cette unité spéciale d'enquête. Je vais parler des policiers, 20, des gendarmes, 20 également, et des magistrats qui ont démontré leur professionnalisme en 6 mois, qui ont parcouru de 8 comme de jour toutes les différentes localités du pays et qui ont pu abattre un travail vraiment énorme. Je voudrais vraiment les remercier et les féliciter. Je voudrais enfin, et par anticipation, madame, présenter mes voeux de bonnes et heureuses années 2022 à tous et à chacun. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, merci pour enfin notre conférence de presse. Merci pour votre présence et surtout pour votre attention.